Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Désolée, je vous prends dans un autre cadre. J'ai profité du fait que je suis au parc avec les enfants pour vous tourner une petite vidéo qui va vous parler, comme vous avez vu sur la vidéo, de ces différents achats que j'ai dû acheter. Certains chez AliExpress, la plupart chez AliExpress. Et je vous parle, en fait, je vous donne mon avis par rapport à cela. Si ça a marché, si ça marche, si ça vaut la peine de l'acheter. Donc si jamais vous êtes intéressé, restez sur la vidéo. Mais avant de passer en fait à ces différents achats et vous donner mon avis, je voudrais vous dire, vous exciter, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc tout d'abord, je vais vous parler de ce bracelet. Comme ça, c'est un bracelet magnétique. Et en fait, le champ magnétique, ça va permettre de restaurer le champ biologique de notre corps. Il favorise aussi une relaxation. C'est censé favoriser la relaxation et le bien-être et augmenter le métabolisme. Donc, qui dit augmentation du métabolisme, dit brûler les calories et donc perte de poids. Donc, c'est dans ce sens et c'est pour ce but, en fait, que moi, je l'avais acheté. Donc, c'est un bracelet. Vous pouvez le mettre, si vous mettez des chaînes au pied, vous pouvez le mettre au pied. Comme ça, il reste à votre pied, là, comme votre chaîne du pied. Vous perdez rien, ou bien alors vous le gardez comme ça en bracelet. Mais moi, avec le boulot, je ne sais pas trop souvent le garder comme ça en bracelet. Donc, qu'est-ce que j'en pense en fait de cet achat? Il est sur AliExpress, je crois qu'il coûte pas, il coûte peut-être moins d'un ou deux euros comme ça. Si ça a marché pour moi, de prime abord, je pourrais vous dire non, ça n'a pas marché pour moi. Mais je crois que ça, ce sont des produits en fait qu'il faut utiliser à long terme. Peut-être à long terme, ça peut avoir un effet sur votre organisme, un effet sur votre métabolisme, un effet sur votre relaxation et votre bien-être. Mais pour moi, je le porte parce que je ne perds rien. Mais sinon, s'il fallait le recommander, je ne pense pas qu'il fasse grand-chose vraiment pour la perte de poids. Donc, ça. De même aussi, j'avais acheté aussi comme ça. C'est aussi des languettes comme ça pour mettre dans les chaussures. Vous voyez, il y a des points. En fait, il y a un aimant, une espèce de champ magnétique à tous les points clés, à tous les points de pression clés de votre pied. Ici aussi, il y en avait, mais c'est parti. Donc, de même aussi, ça aussi, c'est pour la même chose. Moi, je l'ai porté pendant longtemps, hein, parce que c'est pas, ça fait, je crois, déjà plus de... Ça fait plus d'un an même que je l'ai. Hein. Mais je ne l'ai pas porté un moment, je ne l'ai pas porté de manière constante parce que je le mettais, en fait, la plupart du temps, je le mettais dans mes chaussures pour le sport ou bien parfois mes chaussures de la marche. Mais je mettais moins dans les chaussures de la marche parce que c'est parfois, vous voyez, avec les points de pression et tout ça, parfois on le sent, c'est un petit peu inconfortable. Parfois, si vous devez faire de longues marches, en fait, ça peut devenir à la longue inconfortable. Mais si ce n'est pas de longues manches, alors, de longues marches, alors je trouve que ça pourra aller. Et normalement, il y a différentes sortes de tailles. Donc, si vous voulez commander, vous voyez, il y a différentes sortes de tailles. Si vous voulez commander, donc n'oubliez pas de mettre au vendeur, par exemple, la taille par rapport à vos chaussures. Et il faut savoir que les Chinois chaussent très petits. Donc, essayez toujours de prendre des tailles un peu plus grandes. Moi, ici, la taille FM, j'avais pris du 42. Mais ici, là, ça va jusqu'à 45. Et dans une de mes chaussures, ça va bien. Et dans l'autre chaussure, c'est légèrement un petit peu limite. Donc, qu'est-ce que je pense? Ici aussi, il y avait un aimant magnétique, il est parti. Je l'ai porté pendant longtemps. Et pour moi, je ne pense pas que ça a fait grand-chose. Soit tant bien sur ma perte de poids, sur l'augmentation de mon métabolisme, que sur ma relaxation ou bien la restauration du champ, de mon champ corporel. Donc pour moi, je dirais, on ne perd rien à le porter parce que bon, du moment que ça n'enlève rien sur vous, que vous le mettez dans une chaussure, vous le portez, on ne sait jamais, ça pourrait faire quelque chose. Donc c'est pour ce genre de cas que je pourrais dire, vous pouvez le prendre, vous pouvez continuer à le porter. Peut-être à la longue, avec le temps, ça pourrait agir un petit peu. Mais si vous voulez des effets rapides, immédiats, alors je vous dirais non.
Après, j'aiderai pour vos abdominaux. Donc, il faut... De temps en temps, il faut faire cet exercice-là. Moi, je l'ai fait parce que ce n'est pas la première fois, en fait, que j'achète ça. Il y a de cela, je crois, 2 ans. J'avais acheté, 2 ou 3 ans, j'avais acheté, en fait, ces produits que j'avais essayés. Et ici, en fait, j'ai voulu acheter, réessayer pour pouvoir vous faire la vidéo. Donc, il y a différents... Ça va jusqu'en bas en fonction de votre capacité à souffler. Donc, je l'avais acheté déjà. Et on expire et puis on respire. Donc, ça permet en fait de travailler au niveau des abdos. Peut-être si vous le faites fréquemment, chaque fois, ça peut avoir un impact, mais je ne pense pas trop. Moi, je dirais ceci peut être bien pour des patients, pour des personnes qui ont des problèmes respiratoires, qui ont besoin de faire, par exemple, la physio respiratoire pour une réexpansion pulmonaire. Alors, le faire... Ça peut les aider pour leur expansion pulmonaire, mais pour la sangle abdominale, pour une perte de poids, je ne pense pas. J'avais acheté, comme vous avez vu sur la photo, normalement j'avais aussi celui qu'on met juste au niveau, celui qu'on met juste au niveau comme ça de la tête. C'est toujours un petit peu comme des, comme vous voyez, des ceintures abdominales là pour faire perdre du poids. Ça, c'était aussi une ceinture, vous avez vu sur la photo, c'était aussi une espèce de gaine pour le visage, donc que vous mettez au niveau du visage et ça, pour que ça puisse diminuer, amoindrir un petit peu, donc faire maigrir un petit peu certaines parties. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Pour moi, c'est une grosse dope, comme j'ai dit. D'abord, de un, c'est très inconfortable. Vous avez vu sur la photo. Avant de faire la photo, j'ai essayé différentes manières. Parfois, ça tordait mon œil, parfois ma bouche et tout. Je l'ai quand même essayé quelques temps et c'est très inconfortable. On ne peut pas, vous ne pouvez pas rester longtemps avec, plus d'une heure. Et puis, de toute façon, moi, je dirais, je ne pense pas que ça ait un impact parce que lorsque ça, pour mettre sur le visage, c'est très inconfortable d'abord. On ne peut pas rester longtemps avec. Ce n'est pas comme une gaine abdominale. Une gaine abdominale, ça peut vous serrer, mais vous supportez, vous restez un petit peu avec. Alors que ça, c'est pour le visage. D'abord, vous ne savez pas aller quelque part avec. Vous êtes obligé de le porter juste quand vous êtes chez vous. Et il est tellement inconfortable que vous ne savez pas vraiment dire que vous allez dormir avec. Donc, vous allez le porter quelques heures et puis vous allez l'enlever. Et je ne pense pas que ça joue un très grand rôle. Moi, je pense que quand on commence à perdre du poids, de toute façon, d'office, quand on perd du poids, on perd du visage, on perd des joues. Et alors, si, par exemple, vous le faites et qu'à côté, vous n'avez pas une alimentation équilibrée, vous ne faites pas un processus de perte de poids, alors ça ne va jouer absolument aucun rôle. Mais si jamais vous êtes dans un processus de perte de poids, vous allez perdre le poids, mais ça sera dû à vos efforts, dû à ce que vous êtes en train de faire pour votre perte de poids. Et je ne pense pas que ça sera dû à ceci. Mais si jamais certains ont essayé et qu'ils ont des avis différents, n'hésitez pas à me mettre en bas de commentaires. Peut-être vos avis vont me permettre peut-être de retenter l'essai. Je ne sais pas, on verra. Et enfin, il y a ça, le Wonder Patch. Donc, en fait, c'est un patch en fait pour diminuer la graisse, aussi la graisse abdominale. Ce patch-ci, en fait, je l'ai racheté. Comme j'ai dit, je l'ai racheté, je l'ai réutilisé. J'avais 2 paquets. Il y a à peu près 5 à l'intérieur. Oui, il y a à peu près 5 à l'intérieur. Donc, ça, en fait, c'est un patch que vous allez mettre sur le ventre. C'est censé diminuer votre... C'est censé diminuer la graisse abdominale parce que ça a du guarana, de la caféine et... C'est censé agir en fait au niveau de la graisse abdominale. Moi, en fait, je connaissais déjà ce produit et il a changé en fait. Parce que quand j'ai découvert en fait le site AliExpress, c'était en 2014 à peu près, j'avais regardé la vidéo d'une youtubeuse, j'ai découvert. Et alors en allant sur le site, en cherchant toujours quelque chose pour perdre le poids, j'étais tombée dessus et j'en avais acheté plein que j'ai utilisé. Il y a aussi ceux-là, des petits comme ça qu'on met juste au niveau du nombril.
Ça aussi, j'avais utilisé ça. Ça n'a rien fait absolument. Et alors, je me suis dit, je vais réussir. Ce n'était pas comme ça avant. Avant, je crois que c'était plus... C'est, dans mon souvenir, ce n'était pas comme ça. Parce qu'en fait, sur la photo, dans mon souvenir, en fait, c'était... La couleur, elle était comme ici. Mais maintenant, la couleur n'est pas tellement la même chose. Mais sinon, ça colle exactement de la même façon. Donc, c'est une plaque. Elle, en fait, elle est tellement fine. Elle est comme ça. Et alors, ici, ça, c'est au niveau du nombril. Et vous devez, en fait, la détacher. Vous devez la détacher, la coller au niveau du ventre. Et puis, moi, je le faisais, en fait, le soir. Je la collais au niveau du ventre. Donc, je dormais toute la nuit avec. Et le matin, je l'enlevais. Et parfois, même quand je ne travaille pas, je peux le mettre le matin. Je m'éteins le matin, je restais toute la journée avec. Ou bien, jusque quand je prends ma douche, après ma douche, je le mets. Je reste toute la journée avec jusqu'au lendemain. Et puis, je l'enlève. Donc, de toute façon, je savais déjà qu'il ne fait absolument rien du tout. Je vous mets juste au-dessus là, une toute petite vidéo de... C'est juste pour vous montrer donc le fameux patch d'immenseur d'AliExpress que j'ai mis. Et puis aujourd'hui, je dois le changer. Pour moi, en fait, à part augmenter les vergetures, je pense pas que ça fasse quelque chose. Ouf. Mais je vous ferai un avant-après ou bien je vous dirai, vous voyez. J'ai des vergetures et pour moi, ça les tire encore un peu plus, je pense. Il ne fait rien d'autre pour moi que d'augmenter mes vergetures ou bien de les faire encore ressortir un peu plus. Comment est-ce que je l'enlève? Pour diminuer la graisse abdominale, je trouve que c'est... Ça ne joue absolument pas son rôle. Mais si jamais vous voulez augmenter vos vergetures, je dirais... Alors là, je trouve que ça pourrait avoir un effet. Donc, parce que quand on l'enlève, il colle tellement fort que quand vous le tirez, en fait, si vous avez déjà des vergetures au niveau du ventre, quand vous le tirez, moi, j'ai toujours la sensation que quand on le tire, on tire et puis ça tire, en fait, les vergetures et j'ai l'impression que les vergetures deviennent plus apparentes. Donc, moi, ça, c'est mon avis. Donc, j'ai perte de poids. Si vous êtes dans un processus, comme je disais tout à l'heure, de perte de poids, vous faites le sport, vous faites un rééquilibrage alimentaire ou bien quelque chose pour votre alimentation, oui, vous allez perdre. Si vous le mettez, vous allez perdre. Mais vous aurez la sensation que vous perdez, mais vous ne perdez pas grâce à ça. Parce que si jamais ça, on dit que c'est pour diminuer la graisse abdominale, alors normalement, je devrais manger normalement, le mettre et voir des effets. Mais si vous mangez normalement, vous faites votre vie comme d'habitude, vous le mettez, vous n'auriez exactement aucun effet. En tout cas, ça, c'est mon avis à moi. Donc, si jamais vous avez utilisé, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. J'en ai encore assez et j'ai encore un autre paquet aussi à la maison. Peut-être pour ceux qui sont intéressés à mes 1000 abonnés, en fait, j'aimerais faire un concours à mes 1000 abonnés et je mettrai, en fait, je pourrais mettre ça parmi le lot que je compte faire gagner. Il n'y a pas que ça. Donc, comme moi, je suis beaucoup plus au niveau de l'alimentation, il y a plein de trucs au niveau de l'alimentation que j'aimerais vous faire gagner. Et donc, je pourrais aussi vous inclure tout. Je pourrais aussi vous inclure ça. Comme ça, vous pourriez, la personne qui aura gagné pourra essayer et me donner son avis. Donc, c'est parti. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager. C'est gratuit et ça me fera plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.